L'idée de cette exposition est une idée de Laurence Descartes, à l'époque où elle était conservatrice au musée d'Orsay. Et lorsqu'elle est devenue présidente du musée d'Orsay, elle a eu à cœur de, de programmer cette exposition. On n'a jamais eu d'exposition rassemblant ces deux artistes qui sont si singuliers et qui se rencontrent sur beaucoup de sujets et qui se sont véritablement... Euh, observer l'un l'autre. Donc cette exposition va permettre d'appréhender toute cette relation personnelle et artistique grâce au rassemblement exceptionnel d'un très grand nombre de chefs-d'œuvre. Et là, de, de, de pouvoir, sur toute la durée de l'exposition, qui est organisée à la fois de manière thématique et tout en suivant un fil chronologique, de pouvoir appréhender ces, ces deux géants de l'histoire de l'art. Mettre face à face Manet et Degas est un exercice extrêmement stimulant et agréable pour un commissaire d'exposition, mais c'est aussi un enjeu assez colossal. L'un des enjeux pour nous est de montrer non seulement les ramifications artistiques, esthétiques, mais aussi d'essayer le plus possible d'évoquer la, la relation personnelle à travers ces, ces échanges d'œuvres, à travers la correspondance. On ne montre aucune lettre de Degas à Manet parce qu'on n'en connaît pas. <laughs> Peut-être y en a-t-il eu, mais en, elles ne sont pas conservées. On sait qu'il existe trois, quatre courtes lettres de Manet à Degas, mais qui sont assez euh, évasives. Par contre, on a des lettres de Degas à d'autres destinataires ou de Manet à d'autres destinataires où euh, chacun parle de l'autre. Pas toujours en termes très sympathiques d'ailleurs. On a choisi par exemple d'emblée de, de commencer l'exposition en, en évoquant la rencontre, l'histoire du tableau coupé, les portraits de Manet par Degas. Donc, ce sont deux artistes fondamentaux pour euh, l'histoire euh, de l'art et l'histoire de la modernité qui ont tous deux essentiellement produit dans la seconde moitié du 19e siècle. Ils sont vraiment exactement contemporains. On a souvent l'impression que, que Manet euh, est plus vieux que Degas parce qu'il a commencé sa carrière euh, beaucoup plus tôt finalement. Il est né en 1832 alors que Degas est né en 1834. Donc, ce sont deux artistes qui sont à la fois très proches de par leurs origines sociales et de par leur euh, intérêt pour certains maîtres anciens et par leur conception aussi de l'art, aussi bien dans la, la manière de peindre que dans le choix de certains sujets. Alors ce qui est important de souligner, c'est que ni l'un ni l'autre n'a étudié à l'école des beaux-arts. Et tous deux vont faire des voyages en Europe, particulièrement en Italie. Ils vont voir tous les deux les mêmes lieux emblématiques qui servaient aux artistes de, de référence pour leur formation artistique. Donc ils vont copier beaucoup en Italie d'après des œuvres de musée ou d'après des fresques des églises. Ce sont deux artistes qui se sont beaucoup regarder l'un l'autre avec à la fois une forme d'admiration réciproque et aussi d'irritation de, de l'un par l'autre. Donc on peut parler d'une rivalité amicale ou d'une amitié rivale. Il y a un vrai déséquilibre dans les années 1860 entre qui est Manet et qui est Degas. Et euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que Degas, dans, dans ces années-là, va se représenter dans, dans des autoportraits. On a l'impression qu'il se cherche en tant qu'artiste. Euh, qu et alors que Manet, pas du tout. Autre déséquilibre majeur dans, dans cette relation entre Manet et Degas, c'est que euh, Degas va représenter à de très nombreuses reprises Manet. Il va faire euh, beaucoup de dessins, de gravures et même un, un tableau qui va connaître un, un destin. Très particulier qui va, qui donne vraiment la, la coloration singulière de cette relation entre Manet et Degas. On sent qu'il tourne autour de son modèle comme s'il n'arrivait pas vraiment à arrêter une image fixe de Manet, et à l'inverse, Manet ne représente jamais Degas. En revanche, dans les années 1870, on observe un rééquilibrage. Degas va renoncer complètement à exposer au salon et il va vraiment soutenir euh, euh, l'aventure impressionniste. Il est vraiment l'un des, des organisateurs les plus ardents des premières expositions impressionnistes, alors que Manet fera le choix de, de ne jamais y exposer, bien que Degas l'y ait invité. Une exposition comme celle-là nécessite forcément d'avoir des, des œuvres qui, qui s'insèrent dans un dialogue. Donc il était vraiment important pour nous de, de rassembler les œuvres de chacun des deux artistes lorsqu'elles étaient en rapport avec une même source ou bien avec un, un même sujet. Il y a également des œuvres tout à fait fondamentales pour euh, raconter la relation personnelle entre les deux artistes. Donc il était très important bien sûr de montrer les gravures d'après l'infante de Velasquez, euh, sachant que la, la gravure de Degas est, est très rare. Donc on est très content de pouvoir la présenter en même temps que celle de Manet. Et on a un tableau absolument fondamental pour notre exposition, c'est le portrait que Degas a peint de Manet avec son épouse au piano. Il témoigne de la présence de Degas à ces soirées musicales organisées chez Madame Manet, mère, où Suzanne, l'épouse de Manet, avait l'habitude de jouer du piano pour les invités. C'était une excellente pianiste. Et donc ce portrait peint par Degas, est aujourd'hui visible dans un état qui est très intrigant, puisque en fait, la figure de Madame Manet est absente. On voit que c'est un tableau qui a été découpé, qui a été euh, mutilé. En fait, c'est un, un double portrait que, que Degas avait offert à ses modèles. Et Manet, manifestement, n'était pas très satisfait de la manière dont Degas avait représenté son épouse. Et aurait découpé la toile au niveau du visage de Suzanne. C'est un geste symboliquement très fort. Et évidemment, euh, ce, cet acte a été à l'origine d'une brouille entre les deux artistes. Degas aurait repris son tableau et aurait rendu à Manet une nature morte. Donc le saladier de, de noix, une nature morte que Manet lui avait offert après qu'il avait cassé un, un saladier euh, euh, lors d'un repas chez lui. Donc échange de peinture à la suite de cet acte qui était. Euh, vraiment euh, très étonnant quand on y pense, parce que c'est quand même la, la figure de, de son épouse qu'il a, qu a supprimée. Ce qui est intéressant en tout cas, c'est que Manet lui-même a fait un, un portrait de son épouse au piano, exactement au même endroit. On voit d'ailleurs l'arrière-plan avec les lambris blancs, avec le petit filet doré, le canapé avec la housse blanche. Donc c'est comme s'il avait voulu faire un tableau en montrant, voilà, c'est comme ça qu'il faut représenter Suzanne. Et euh, surtout comme s'il était le seul à, à pouvoir représenter son épouse et qu'il ne laissait ce droit à aucun autre. Il est par exemple très intéressant de voir dans un même espace Olympia de Manet et la scène de guerre au Moyen Âge de Degas. Ce sont deux tableaux qui ont été présentés au salon de 1865 et on voit vraiment toute la, la distance qui sépare les deux artistes alors que tous deux traitent à travers leurs œuvres du nu féminin mais dans un contexte, une mise en scène et une, une, une technique une esthétique radicalement différente. On voit que, que Manet, euh, bien qu'il fasse référence à un chef-d'œuvre de, de l'art classique, la Vénus d'urbain de Titien, actualise complètement cette source classique à tel point que personne ne, ne la voit parmi ses contemporains en montrant... Euh, avec olympia une, une courtisane nue euh, recevant euh, de sa domestique le bouquet euh, offert par un, un admirateur un protecteur enfin un, un client et le tableau de degas est dans un registre complètement différent il s'agit d'une scène très énigmatique le titre euh, scènes de guerre au moyen âge ne nous en dit pas beaucoup plus il n'y a rien qui permette de la situer réellement c'est un grand paysage désolé on voit une ville en feu à l'arrière-plan mais qu'on serait bien en peine de pouvoir identifier des hommes vêtus d'armures ou de costumes médiévaux à cheval et des femmes nues ou à moitié déshabillées qui ont été violentées qui sont euh, jeter au sol ou attacher à un arbre, enfin quelque chose de vraiment extrêmement euh, curieux que pour une œuvre pour laquelle Degas a réalisé beaucoup de dessins préparatoires. Nous sommes également très heureux d'avoir pu rassembler dans la section intitulée Parisienne euh, des, plusieurs œuvres de Manet et de Degas qui abordent des thèmes très proches, à savoir des scènes de café, des modistes, des, des chanteuses de café-concert. Et on peut mesurer à, à travers le rapprochement de ces œuvres la, la différence d'approche qui est celle des deux artistes avec. Euh, euh, de gars qui a toujours des, des points de vue très originaux euh, où il s'intéresse à, à l'étagement des plans à, à des perspectives assez inattendues il s'intéresse beaucoup à l'éclairage artificiel également aux mimiques, euh, aux postures, à la gestuelle euh, De gars est finalement euh, moins traditionnel dans, dans ses mises en scène, Manet, qui a plutôt l'habitude de représenter ces figures au centre de ses compositions en les mettant en majesté. Et alors, un exemple qui est très intéressant, c'est celui de la prune et de l'absinthe. Donc, là, dans un café dit l'absinthe, est un tableau que, que Degas avait. Peint pour le présenter à une exposition impressionniste. C'est une œuvre d'atelier, mais qui reprend le, le décor de, de ce café, qui était le café fréquenté par, par Degas, par Manet et beaucoup de, de leurs amis, dont Marcelin Desboutins, qui pose pour le tableau, qui était un un artiste, un graveur, que l'on voit euh, attablé euh, aux côtés d'une femme euh, qui a été posée par Hélène André, qui était une actrice, et que euh, Degas euh, représente d'une manière euh, euh, pas forcément très flatteuse. Elle est donc euh, assise sur une banquette derrière une table en marbre euh, sur laquelle est posé un, un verre d'absinthe. Elle, euh, elle a les épaules complètement affaissées, euh, les pieds euh, posés au sol écartés, le regard euh, complètement... Et comme si elle était déjà sous l'emprise d'un premier verre d'absinthe. On a l'impression que le regardeur se lève d'une table en marbre qui, qui est située au premier plan, où il y a un journal qui est posé avec la signature de Degas, et qu'il voit au fond de la salle donc c'est ce couple à Alors, ce qui est intéressant, c'est que Manet a peint exactement le même modèle dans le même café. Il a aussi peint. Ce tableau en atelier avec des accessoires qu'il avait, notamment la table en marbre. Donc là, ce n'est pas devant un verre d'absinthe qu'elle est assise, mais devant un verre de prune, un autre alcool. Elle a une cigarette à la main et euh, la mise en scène euh, est beaucoup plus à son avantage. Elle est donc au centre de la composition, dont elle occupe quasiment tout l'espace. Elle a une pose et des vêtements élégants. Elle laisse sa joue, son visage reposer sur sa main repliée dans un geste un peu mélancolique, un regard un peu langoureux avec un sourire aux lèvres. Donc elle est dans une pose beaucoup plus séductrice. Donc c'est à peu près la même catégorie sociale que l'un et l'autre ont représenté, mais d'une manière vraiment très différente, pourtant avec le même modèle et le même décor. Moi, c'est bien sûr un, un rêve absolu de, de pouvoir travailler sur ces, ces artistes si fascinants et qu'on n'épuise jamais <laughs> que son manet et Degas. Et, et en, en travaillant euh, non pas sur euh, euh, uniquement leurs œuvres, mais sur euh, leurs relations et la, la façon dont, dont leurs œuvres se croisent, euh, eh bien, certains aspects de, de leur personnalité et leur, euh, leur singularité en tant qu'artiste aussi est devenue euh, plus apparente. Deux artistes absolument, euh, absolument fascinants et, et, et très attachants.